C'est dans une atmosphère conviviale de cet immeuble de Gabon Mining que le programme solidaire Canal Plus Impact a été officiellement dévoilé aux institutionnels, aux organismes internationaux, aux responsables des médias, ONG et de plusieurs communicants. Le programme compte trois piliers, notamment Canal Plus University, un projet conçu comme une école itinérante qui s'adresse aux professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, souhaitant bénéficier d'une remise à niveau. Orphée, qui donne l'accès à l'éducation, et enfin, en moins une cause dédiée à la protection de l'environnement, aux questions de santé publique ou encore l'accompagnement des associations caritatives. L'idée aujourd'hui avec Canal Plus Impact, c'est de regrouper toutes ces actions que nous faisons depuis des années en un seul levier qui sera Canal Plus Impact, qui va regrouper un peu les trois piliers de notre action solidaire sur le continent. Vous nous contactez et puis nous, effectivement, en fonction de votre projet, on regarde dans ces trois piliers que nous avons qui constituent Canal Plus Impact et puis l'accompagnement que nous pouvons vous apporter qui va être réparti dans ces trois leviers que j'ai cités tout à l'heure. Un programme RSE dynamique qui vient regrouper les actions et les activités du groupe dans une volonté d'agir, informer et transmettre. La Maison de l'Espérance, un centre d'accueil, a d'ailleurs pu bénéficier de cette action solidaire, comme l'explique la responsable de cette orphelinat. On a eu ensemble un abonnement gratuit pendant plusieurs années. Les enfants peuvent bénéficier de ce programme télévisé. Donc ça nous allège en tant que Maison de l'Espérance pour payer. On a pu ce problème. Ils ont résolu ce problème et les enfants peuvent s'informer aujourd'hui. Ils peuvent vraiment aussi rêver du fait qu'ils puissent voir des images de l'extérieur. Le projet sera développé progressivement dans d'autres centres d'accueil sur l'ensemble du territoire national. L'acteur majeur de l'audiovisuel et du cinéma a pour objectif de placer ses engagements sociétaux au cœur de sa stratégie d'entreprise en participant activement à l'accompagnement de l'amélioration du quotidien de l'écosystème gabonais.